Ouais, c'est fucked up. Merci. Parce qu'en plus, la première fois que je l'ai rencontré, c'était dans un bar. Puis j'étais vraiment, vraiment fucking fan de lui là, à ce moment-là. Puis ben, je le suis encore. Là. Mais tu sais, j'étais vraiment stressé de le voir pour la première fois en personne. Puis je m'étais dit, ah, j'allais lui serrer la main, Chris. Olivier, si prends ton. Va lui serrer la main, là, c'est ton héros, vas-y. Puis j'étais allé lui serrer la main, puis c'est comme, on s'était serré la main, puis ça avait genre fait ça. Oh non! Oh non! Puis là, j'étais comme, tabarnak! Esti! C'est drôle. Choqué, esti, comme mes combats. Puis, mais ouais, je voulais pas t'en donner celle-là. Non, non, moi, j'allais plus par là, j'y allais plus, là, j'y allais plus. Puis, la première fois que je l'ai vu à l'entraînement, j'étais comme, s'il se souvient de moi, s'il m'a regardé, s'il se souvient de moi, de ma poignée de main. Tu as-tu redonné la même poignée de main weird? Non, mais tu sais, en plus, la deuxième fois, j'avais comme quasiment la goutte, là, qui perlait. Ok, là, faut pas que je choque. Là, je choque pas. Ok, ça s'est bien passé, il se souvient pas de moi. Puis à partir de là, on a commencé à s'entraîner ensemble. Okay. Puis tu sais, moi, mon dernier combat, il m'a vraiment, vraiment aidé. Parce que j'ai toujours été gêné de lui demander de m'aider. Puis c'est la même chose de son côté, tu sais, il voulait pas s'imposer. T'sais. Ouais. Puis en fait, c'est notre agent qui a dit, Chris, il serait game là de t'entraîner, tu sais. Puis finalement, je lui ai même pas demandé, c'est mon agent qui a demandé. Puis on a commencé à s'entraîner ensemble. Puis, tu sais, on se voyait trois fois par semaine. Il m'a vraiment beaucoup aidé. Puis, man, c'est quoi, il a 38 ans, 37 ans, là? Dude, le vieux monsieur, là, qui sait se battre en esti. Ah ouais, non? Ouais, je vais toujours m'en souvenir que, tu sais, on faisait de la lutte ensemble. Puis, il m'avait dit, ah, viens-t'en, lui, on fait un round ensemble. Puis, j'étais vraiment en prime de ma force, là, de ma forme, plutôt, pour mon combat. Puis j'étais comme, ok, je vais y aller tranquille, tu sais, il y a 38 ans. Là. Ben oui, mais là, je veux dire, il y a 38 ans, mais c'est quand même GSP. C'est GSP, là. Ben, tu sais, j'étais comme, je vais y aller semi-tranquille. Ouais. Fait que là, il m'amène une fois au sol. Ah, ok. Il va augmenter l'intensité. Ok, il m'amène deux fois au sol. Tabarnak, ok. Je vais à 100%, il m'a explosé, man. Il m'a explosé pendant 5 minutes, esprit. Là, je vais peut-être me montrer c'était qui encore le mâle alpha dans la salle, là, mais c'était pas moi le plus fort de la cour d'école cette fois-là. Là. Aïe, aïe. Puis ça, toi, quand mettons, tu t'entraînais avec, ça a pris combien de temps avant que t'arrêtes d'être stressé devant lui? C'est bizarre parce que, première fois? La deuxième fois que je l'ai vu, je sparais avec lui. Fait que sparer, en fait, c'est quand tu te bats avec, là. Puis, man, j'ai pas lancé un coup, là. Lui, il m'en a lancé en tabarnak, mais moi, j'ai pas lancé un coup, j'étais trop gêné. J'avais peur, tu sais, de manquer de respect à Georges. Puis, mais tu sais, avec le temps, ça s'est mis à rire. Mais tu sais, même maintenant, là, c'est. Je suis encore un petit peu gêné avec lui, mais pas mal moins, là. Mais tu sais, je veux dire, c'est comme. C'est pour moi, là, c'est genre le. C'est comme le Yvon Deschamps du. Ouais. Ah oh, ouais, moi avec, je le frapperais pas. Qu'est-ce qui est triste, c'est qu'Yvon, il a 84 ans, puis si on faisait du sparring, il pourrait me battre facilement.